Bonsoir, bonsoir. Bonjour, selon vos positions. C'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Je fais ce direct ce soir, sinon cet après-midi, pour revenir un peu sur le comportement de Damana Picasso en Côte d'Ivoire. Je me prononce avec beaucoup de douleur en voyant aujourd'hui ce dont quoi Damana Picasso peut se permettre en Côte d'Ivoire. Salut à toi, ma très chère sœur, Diomandé Fatou, depuis ta position. J'ai mal et j'ai très mal. En écoutant les propos de Damana Picasso, en écoutant les propos de certaines personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'ai mal. Hier, quand Gbagbo était au pouvoir, Gbagbo n'est jamais descendu lui-même personnellement pour aller récupérer quelqu'un dans sa cour. Mais ceux qui étaient derrière les Laurent Gbagbo, là, c'est eux qui rentraient dans la cour des gens et délogeaient les gens de leur maison. Laurent Gbagbo n'est pas allé prendre Camara H chez lui. Laurent Gbagbo n'est jamais sorti devant une marche pour empêcher les gens de marcher. Mais ces gens sortaient. Je me pose la question souvent de savoir, Myriam Soulier, salut à toi. Je me pose la question de savoir souvent, est-ce que dans la réalité, là, il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont autour du président Ouattara. Est-ce que vraiment ils ont l'amour du président Ouattara? Est-ce qu'ils savent réellement ce que le président Ouattara a vécu dans le pays? Même hier, quand le président Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire, je ne dis même pas le militant du RHDP. Si le président Ouattara avait fait des critiques sur Laurent Gbagbo alors qu'il était en Côte d'Ivoire, 2 heures de temps après, tu allais trouver les militants du FPI devant sa maison. Tu allais trouver les militants du FPI devant sa maison. Aujourd'hui, là, Damana Picasso s'arrête en Côte d'Ivoire et puis vient excuser le président Ouattara d'être un assassin. Comme si l'histoire, là, on ne la connaît pas. Comme si l'histoire, là, on ne la connaît pas. Ça dit que nous sommes vivants et puis vous laissez que Damana Picasso falsifie l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Nous sommes vivants, nous ne sommes pas encore morts. Et puis vous allez laisser Damana Picasso transformer l'histoire. Reine Yao, salut à toi. Ouattara Kassoum Koulibaly. Ouattara Kassoum Ouattara, salut à toi. Ça dit que nous sommes encore vivants. Et puis vous voulez vous asseoir. Et puis Damana va transformer l'histoire. Mais c'est normal aujourd'hui, là. Ce que Damana est en train de faire, là, c'est tout à fait normal. Ce que Damana est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est normal. Parce que quand Damana retourne en Côte d'Ivoire, quand il commence à faire sortir ses sorties hasardeuses, s'il avait déjà au premier coup reçu une bonne correction, je crois que le niveau auquel nous sommes arrivés aujourd'hui là, on ne serait pas arrivé là. Ça veut dire que toi, le cadre du RHDP, toi tu es assis. Et puis Damana vient dire au président Ouattara qu'il voulait assassiner Laurent Gbagbo. Mais je me pose même la question de savoir, ces cadres, ça dit tellement ils sont méchants. Leur méchanceté, là, ça a dépassé le niveau des militants du RHDP. Mais ça arrivait même sur le président Ouattara. Parce que quand vous êtes des responsables de parti, quand vous êtes des cadres du RHDP, et puis un gars comme Damana Picasso sort de cette manière pour parler au président Ouattara, Damana Picasso n'a pas peur. C'est ce qu'il vous dit. Damana Picasso veut nous dire qu'on ne peut rien lui faire dans ce pays-là. Le président Ouattara est rentré hier en Côte d'Ivoire quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Mais cela n'a pas permis, cela n'a pas laissé le militant du RDR dire ce qu'il voulait dire au président, à Laurent Gbagbo hier. Mais aujourd'hui, là, Damana est en train de faire pire que ce que le militant du RDR a fait hier.
Damana Picas, depuis plus de un an, Damana Picas devait être déjà en prison. Ça dit qu'il y a des gens aujourd'hui, là, des cadres du RHDP qui sont prêts aujourd'hui. Ça dit, si tu veux, là, il faut t'arrêter sur le troisième pont. Insulte le président Ouattara. Lui-même, il est dans sa voiture. Et puis, on lui dit, l'homme qui a arrêté, là, est en train de insulter le président Ouattara. Et puis, il va monter ses vitres, il va partir. Il va monter ses vitres, il va continuer son chemin. Parce que pour lui, là, ce qui est important pour lui, là, ce n'est pas le fait qu'on insulte le président Ouattara. Ce qui est important pour lui, là, ce n'est pas le fait qu'on humilie le président Ouattara. Mais je vous le dis haut et fort, préparez-vous. Les Ivoiriens vont s'asseoir un jour pour regretter le président Ouattara. Mais vous autres là, vous qui êtes autour du président Ouattara, et puis vous êtes assis, on humilie le président Ouattara. Mais mettez-vous une chose dans la tête. L'humiliation que vous-même vous allez subir demain là, wallahi billahi tanlai, je vous le jure, au nom de tout ce que je cherche, ça sera plus grave que pour le président Ouattara. Asseyez-vous, vous allez regarder. Les injures aujourd'hui qu'on met sur le président Ouattara, pour vous là, ça sera plus grave parce que vous êtes méchants. Il y a d'autres aujourd'hui qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Mais vous êtes quelque chose dans le pays là. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le président Ouattara. Moi aujourd'hui là, je ne suis pas cadre du RHDP. Mais je dois tout au président Ouattara. Parce que si moi Zulu de Bogota, je peux taper ma poitrine aujourd'hui. Si moi aujourd'hui je peux m'asseoir et puis critiquer là. C'est parce que hier... Dans ce pays-là, Dieu nous a donné quelqu'un du nom du président Ouattara. Mais vous êtes méchants. Vous êtes mauvais. Il y a des cadres du RHDP, là, quand on les attaque, ils disent, ils vont prendre convocation. Parce que moi, je sais, il y a certains cadres du RHDP, là, ce que Damana Picasso est en train de dire dans le pays-là. S'il avait dit ça, si c'est un cadre du RHDP, il y a longtemps, ils l'ont arrêté pour le mettre en prison. Mais comme c'est le président Ouattara, on laisse tomber. Il y a des cadres du RHDP, même si tu as rempli la main de Damana Picas de diamants, il ne va pas les insulter. Parce qu'il sait que le lendemain, là, c'est la prison. Mais quand c'est le président Ouattara, on insulte, là, vous vous asseyez. Vous ne dites rien. En fin de compte, même nous, là, on est bloqués. En fin de compte, même, on ne peut pas parler. Parce que ce que Damana Picasso dit là, il ne dit pas dans un grain. Ce que Damana Picasso dit là, il prend le micro et puis il dit. Et puis ça ne va pas quelque part. Kone Katina s'assoit en Côte d'Ivoire pour dire que le président Ouattara c'est un voleur. Toi, le cadre du RHDP qui est à côté du président Ouattara là. Toi, tu pouvais rester de ton vivant hier pendant que Gbagbo était au pouvoir pour dire que Gbagbo c'est un voleur. Tu pouvais le faire. Tu pouvais le faire. Tu pouvais le faire hier. Tu pouvais t'asseoir hier et puis insulter Laurent Gbagbo pour dire que c'est un voleur. Mais aujourd'hui, la Damana Picasso s'arrête en Côte d'Ivoire et puis dit que le président Ouattara c'est un voleur. Et puis nous, on est assis. Ça dit que souvent, toi-même, tu es là comme ça, là, tu écoutes Damana Picasso, tu as envie de prendre couteau pour te tuer en même temps. Ça dit que tu écoutes Damana Picasso. Souvent, toi-même, tu es là comme ça. Là, tu veux prendre un couteau, toi, te poignarder. Tellement ça fait mal. Tellement ça fait mal. Mais ça veut dire quoi? Tout le monde va parler. Mais ils sont assis. Madès, la joie, salut à toi, mon fils. J'ai mal. Mais je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Il y a des cadres du RHDP. Parce que même des gens ont dit quelque chose de déplacé sur les réseaux sociaux. Ils les ont convoqués. Et puis Damana Picasso s'arrête en Côte d'Ivoire.
Damana Pika s'arrête en Côte d'Ivoire en 2022 pour insulter le président Ouattara. Les Kone Katina s'arrêtent en Côte d'Ivoire pour insulter le président Ouattara. Nous, on n'a même pas insulté Gbagbo hier. On risquait notre vie. On ne l'a pas insulté. Le critiquer seulement. On ne l'a même pas insulté pour dire que nous, là, notre choix, là, la personne que nous, on va voter, là, c'est Ouattara. Ça, c'était déjà problème. Ça dit, tu n'as même pas critiqué, mais tu as dit seulement que c'est Ouattara tu aimes là. C'était problème déjà. Tu avais signé un accord avec la mort. Porter tricot du président Ouattara seulement en Côte d'Ivoire, c'était un crime contre l'humanité. Et c'est vous qui êtes là. Un gars comme Damana Picasse parle. Damana Picasse rentre en Côte d'Ivoire. Deux jours après, il est convoqué. Et regardez bien, même les Damana Picasse, quand il parle de Charles Blé Goudé, il parle en parabole. Ces genres de choses, il parle en parabole de Charles Blé Goudé, mais il ne peut pas sortir le nom de Charles Blé Goudé dans sa bouche, parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière. Ils vont tourner, ils sont allés en prison, ils ont fait comme ça, ils vont faire comme ça, ils vont faire comme ça. Mais il ne peut pas sortir le nom de Charles Blé Goudé dans sa bouche. Ils ont peur de Charles Blé Goudé. Mais ils viennent s'asseoir et puis ils disent ce qu'eux ont l'habitude de nous dire. Et puis on est là. Mais est-ce que ça là même là, qui peut admettre ça? Qui peut admettre ça? Damana Picasse, matin, midi et soir, il sort. Matin, midi et soir, il sort. Et puis il dit, rien ne se passe. Mais à un certain moment, sortez, vous allez nous dire la vérité. Mais ce que vous devez comprendre là, nous là, on est encore prêts pour mourir pour le président Ouattara. Nous là, on est encore prêts pour mourir encore pour le président Ouattara. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Les Damana Picasse là, militants de Pro Gbagbo là, Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, vous a parlé. Match retour que vous souhaitez là, ne souhaitez pas, ce n'est pas bon pour vous. Damana, il faut parler. Mais le moment venu là, en 2025 là, ce que tu dis aujourd'hui là, il faut dire. Ce que tu dis aujourd'hui là, en 2025, il faut sortir, tu vas parler. Nous, on n'est pas pressé, hein? Mais on est assis et puis on vous attend. Vous pensez que nous, là, on est fatigué de gouverner encore. On n'est pas encore fatigué. Mais bien au contraire, ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Mais nous, on est là, on vous regarde. Aujourd'hui, là, même quand je dis que les cadres ne vous répondent pas, là. Mais certains même sont en train d'apprendre du président Ouattara. On ne répond pas actuellement, on vous regarde. Mais le moment venu, priez Dieu, il ne faut pas le moment là va arriver. Parce que quand le moment là va arriver, cette fois-ci, la personne ne va sortir du pays. Damana Picasse. Cette fois-ci, là, quand l'heure va sonner, personne ne va sortir du pays. Chacun va rendre compte. On vous le dit haut et fort. Pour voir là, vous n'allez pas revenir. Laurent Gbagbo ne va plus gouverner la Côte d'Ivoire. Mettez-vous ça dans la tête. Laurent Gbagbo. On n'a pas parlé d'autres personnes. On n'a pas parlé. Peut-être qu'il aura d'autres Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de ça. Il aura des gens qui s'appellent peut-être Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. On a compris. Mais Laurent Gbagbo que nous on connaît là. Laurent Gbagbo qui a déjà dirigé la Côte d'Ivoire là. C'est pas ce Laurent Gbagbo là qui va s'asseoir encore sur la Côte d'Ivoire. Mettez-vous ça dans votre tête.
Peut-être qu'il aura donc Laurent Gbagbo. Je vous le dis. Mais Laurent Gbagbo, qui a déjà gouverné la Côte d'Ivoire, le boulanger, lui, là, il ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire encore. Mettez-vous ça dans la tête. Et on n'est pas pressé. Parce que vous allez lire l'heure. Parce que vous allez lire l'heure. Je le dis haut et fort. Dieu merci de nous avoir donné un leader, un papa comme Ado. Mais le feu avec lequel vous êtes en train de jouer là, méfiez-vous. Damana, jusqu'à preuve du contraire, on est calme parce qu'on écoute le vieux. Mais prépare-toi. Mais le jour, le côté du Prado va quitter dedans là, Damana, tu n'iras pas à la Maca. C'est ce jour-là que tu vas comprendre. Il faut continuer. On n'est pas pressé. Mais la réponse-là, ça sera fatal et inoubliable. Wallahi billahi tanlahi. On te le dit. Kamana, notre réponse sera inoubliable. Il faut te mettre ça dans ta tête. Toi, tu vas venir t'asseoir pour dire que Laurent Gbagbo avant a failli être assassiné. S'il y a un vrai assassin, s'il y a un vrai criminel, s'il y a quelqu'un, mais c'est tout à fait normal. Quand on dit que l'éducation que Laurent Gbagbo avait donnée à ses militants-là, la première éducation, c'est la maléducation. Et c'est ce que Laurent Gbagbo est en train de payer aujourd'hui. Regarde la différence entre vous et nous. Nous, on est encore dans les critiques politiques. On n'est pas dans les injures. Parce que ce n'est pas ce qui nous a été enseigné comme éducation. Ce n'est pas ce qui nous a été enseigné comme éducation. La barbarie, là, ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné. Mais nous, on n'est pas pressé. Nous, on répond toujours. Mais quand on répond, ça reste dans l'histoire. Quand on répond, ça reste dans l'histoire. Et Damana Picasso, il faut te mettre quelque chose dans la tête. Notre réponse de 2010, là, si ce n'est pas resté dans ton histoire, la réponse que tu attends d'ici 2025, là, ça va rester dans ton histoire. Tu vas écrire ça. Tu vas raconter ça à tes petits-enfants. Tu vois des pervers, des vagabonds, des gens qui ne travaillent pas et qui viennent s'arrêter pour dire on est Damana Picasso. Tous ceux qui ont papier dans leurs mains là, et puis avec le nom de Damana Picasso là, mettez au-delà des papiers là, dites-nous quel boulot vous faites à Abidjan. Dites-nous quel boulot vous faites parce que vous êtes des vagabonds, vous ne travaillez pas. C'est une réalité. Vous ne travaillez pas comme Damana Picasso. C'est tout à fait normal. Quand à l'âge de 40 ans, on n'a pas été capable de travailler avec ses 10 doigts, la seule chose qu'on peut faire, c'est de prendre un papier et puis écrire le nom de quelqu'un pour dire que je suis telle personne. C'est de ça qu'il s'agit. Lui-même, Damana Picasso, depuis qu'il est retourné de son exil, jusqu'à preuve du contraire, Damana Picasso n'a jamais fait un poste un jour pour dire que quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, j'étais fonctionnaire dans tel coin. J'ai demandé à l'État de Côte d'Ivoire de me rétablir dans mes fonctions. Parce qu'il n'a jamais travaillé dans sa vie. Vous aussi qui prenez papier pour dire que nous sommes comme ça, là, vous n'avez jamais travaillé dans votre vie. Donc c'est tout à fait normal. On comprend votre position. On comprend votre médiocrité. Mais on n'est pas pressé derrière vous. Nous, on n'est pas pressé. Mais le match retour que vous souhaitez,
Le jour, ça va faire payer. Le jour, ça va faire payer. Le jour, ça va faire payer. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là, vous allez comprendre. C'est ce jour-là, vous allez lire l'heure. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Ça dit que toi, Damana Picasso, tu vas venir voler la... Ça dit que tu vas venir trahir les gens pour dire que Laurent Gbagbo va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Même Laurent Gbagbo lui-même, il sait qu'il ne peut plus gouverner cette Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo le sait. Laurent Gbagbo le sait. Même Henri Konan Bédier qui parle. Je le dis haut et fort. Quand j'ai écouté le discours d'Henri Konan Bédier à la remise du prix Feu Félix ou Feu Boigny à Yamoussoukro, il y a quelques semaines de cela, la seule chose que j'ai eue, c'est de la peine que j'ai eue pour Henri Konan Bédier. J'ai eu de la peine pour lui. J'ai eu de la peine pour lui. Parce que dans la réalité, la seule chose que moi, je souhaiterais faire voir Henri Konan Bédier, c'est quand Laurent Gbagbo était à la CPI. Et puis lui, Henri Konan Bédier, pendant qu'il était allié encore avec le président Ouattara, il a dit que là où Laurent Gbagbo se trouve là, c'est sa place qui est là-bas. Il a dit que là où Laurent Gbagbo se trouve à la CPI là, c'est sa place qui est là-bas. Et puis il a dit qu'il est mieux là-bas. J'aurais souhaité poser la question à Henri Konan Bédier en lui posant la question de savoir est-ce qu'il se rappelle de certaines phrases qu'il a dit il y a quelques années en arrière. J'aurais pu lui poser la question de savoir quand Laurent Gbagbo était à la CPI, est-ce qu'il se rappelle d'avoir dit que Laurent Gbagbo à la CPI là, c'est sa place qui est là-bas, s'il se rappelle de ça. J'allais lui poser la question. Mais hélas, ça ne sert pas peut-être. Parce que si moi, Zulu de Bogota, qui peut même être son petit-fils, si c'est moi qui dois venir lui rappeler ce qu'il aurait dit, si c'est moi qui dois venir lui dire, si c'est moi qui dois venir lui rappeler qu'il a été président de la République de Côte d'Ivoire, je crois que c'est grave. Et quand je regarde le comportement de certaines personnes, ça me fait pitié. Pendant qu'il s'assoit et il continue de dire, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de comme ça. Mais pendant ce temps qu'il dit qu'il n'est plus allié au RHDP, le PDCI prétend toujours avoir des DG qui sont du PDCI. Je m'assois et je ris. Quand je m'assois et puis je regarde aujourd'hui que Gbagbo est en Côte d'Ivoire et que la première question d'abord que ces personnes-là devaient se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Laurent Gbagbo soit capable de faire juste les un quart de ce que le président Ouattara a fait. On n'a même pas demandé les deux tiers. Les un tiers, c'est-à-dire les un quart, pardonnez. Si Laurent Gbagbo avait fait juste les un quart de ce que le président Ouattara a fait, la Côte d'Ivoire ne serait pas tombée si bas. La personne qui a donné de la dignité à l'Ivoirien, la personne qui a donné de la dignité au drapeau orange, blanc, vert, la personne qui a donné de la dignité à notre emblème, c'est le président Ouattara. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, si elle avait été encore dirigée par Henri Konan Bédier et le président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire aujourd'hui se trouverait dans la forêt du Banco. La Côte d'Ivoire, certainement, avait disparu. La Côte d'Ivoire avait disparu. Si et seulement si le président Henri Konan Bédier et le président Laurent Gbagbo avaient continué de diriger la destinée de notre pays, la Côte d'Ivoire allait disparaître. Aucun Ivoirien ne serait capable de dire qu'il est fier d'être Ivoirien. Peut-être même qu'on serait en train de dire: je suis citoyen d'un pays qu'on appelait la Côte d'Ivoire. Tellement ces personnes-là avaient envoyé la Côte d'Ivoire dans le chaos.
Tellement ces personnes-là vont envoyer la Côte d'Ivoire dans la poubelle. Tellement avec ces personnes, la Côte d'Ivoire avait perdu sa dignité. Tellement avec ces personnes, les Ivoiriens ne pouvaient pas avoir le courage de dire qu'ils sont Ivoiriens. Des personnes qui ont été capables de détruire tout ce qu'on a construit, tout ce que le président Félix Houphouët-Boigny a construit. Je reposais la question à savoir, demander au président Henri Konan-Bédié, comment se fait-il qu'Alassane Ouattara, qui n'était pas homme politique en 90, et que toi, tu étais président de l'Assemblée nationale, au lieu qu'il aille chercher le président Ouattara à la BCAO pour le ramener, toi qui étais à côté de lui, pourquoi il ne t'a pas pris pour te mettre comme premier ministre? Quand je vois aujourd'hui des gens dire que les DG volent en Côte d'Ivoire, tout le monde peut nous parler de ça, le PDC ne peut pas nous dire que les DG volent en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut nous dire que les DG volent en Côte d'Ivoire. Mais le PDC ne peut pas nous dire. Chers frères, dans l'histoire de la politique ivoirienne, dans l'histoire de la naissance de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire de la naissance de la Côte d'Ivoire, c'est au temps du PDCI qu'un DG a fêté ses milliards. Au temps du PDCI en Côte d'Ivoire, un DG a fêté ses milliards. C'est au temps du PDCI que l'une des personnes les plus riches de Côte d'Ivoire était un DG de la douane. Je vais vous dire, quand vous prenez la route du zoo pour monter vers Cocody, ça dit que quand vous arrivez au zoo là, et puis vous tournez pour monter vers Cocody là, juste après le zoo là, le grand bâtiment que vous voyez à votre gauche, la grande maison que vous voyez à votre gauche, c'était la maison d'un DG de douane en Côte d'Ivoire. Un DG de douane milliardaire, c'était au temps du PDCI. Quand Henri Konan-Bédié, lui, vient nous dire que les DG volent en Côte d'Ivoire, que le militant du PDCI vient nous dire, Henri Konan-Bédié était considéré comme l'un des plus grands milliardaires de notre pays, l'un des milliardaires de notre pays, qu'il vient nous dire, Henri Konan-Bédié a travaillé où pour être milliardaire? Allez-y, regardez la liste des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Vous ne trouverez jamais le nom d'Henri Konan-Bédié. Il n'a jamais été fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Henri Konan-Bédié ne s'est jamais levé un jour pour dire qu'après mes études, j'irai dans mon bureau pour aller travailler. Par contre, le président Ouattara, oui. Vous allez venir nous dire quoi? Vous ne pouvez pas nous faire de la leçon de la moralité, de la gestion publique. Vous ne pouvez pas. Tout le monde peut nous faire ça, mais pas vous. La gestion du bien public, là. Le militant du FPI ne peut pas venir nous enseigner ça. La Côte d'Ivoire est pauvre, là. L'argent est fini, là. Damana Picasso, tu ne peux pas venir nous dire ça. Damana Picasso, tu ne peux pas venir nous dire ça. Tout le monde peut nous dire ça, mais pas vous. Pour nous dire que vous, là, vous allez nous faire les leçons de morale. Depuis quand? Calmez-vous. Vous êtes trop petit dans ça. Vous êtes trop petit dans ça. Alexandra Oussou, depuis ta position, depuis Yamoussoukro, salut à toi. Ahmed Karamoko, salut à toi. Merci beaucoup, mon frère. Voilà ça aujourd'hui. Là. Regardez, voilà pourquoi je le dis souvent. Damana Picasso, tu poses tes actes actuellement, tu ne t'assois pas, tu ne calcules pas. Mais ce que tu oublies, là, quand on va te mettre en prison, Laurent Gbagbo ne pourra même pas te faire sortir. Laurent Gbagbo ne pourra pas te faire sortir, Damana Picasso. Ces conseils, on te donne. Il faut écouter.
Le président Ouattara, il est patient. Mais le jour où on va te mettre dedans, Laurent Gbagbo ne va pas aller te saluer à la maca. La preuve en est que les militaires dont il a parlé pour dire que c'est lui qui était leur patron, là, Laurent Gbagbo n'a pas pu faire sortir un militaire qui a été arrêté pendant la crise post-électorale. Toi, Damana Picasse, il faut t'amuser. Le jour où tu vas rentrer à la maca, Damana Picasse, c'est là que tu vas comprendre. On te regarde, mais continue. On te donne conseil, tu n'écoutes pas. Mais le Zoulou de Bogota te parle. Moi, je te parle. Il faut faire attention. Parce qu'un jour, là, un jour, tu vas lire l'heure à Damana Picasse. Je le dis une fois, il faudrait que ça, là, ça rentre dans la tête du militant du PDCI et puis du FPI. Henri Konan Bédié ne va plus jamais gouverner ce pays-là. Laurent Gbagbo ne va plus jamais gouverner ce pays. Et quand je vous regarde, et puis vous venez vous asseoir pour dire que vous allez faire de la leçon de la gestion du bien public à Dama. Quand le monde tourne en envers, c'est comme ça, ça fonctionne. Quand le monde tourne en envers, c'est comme ça, ça fonctionne. Aujourd'hui, là, nous, on n'était pas avec vous. Hein? Adama Bamba, je n'ai pas voulu dire leur nom. Mais le militant du PDCI le sait. Le militant du PDCI le sait. Un DG de la douane qui a fêté ses milliards en Côte d'Ivoire. Hein? Un DG de douane qui fête ses milliards en Côte d'Ivoire. On a vu ça au temps du PDCI. C'est vous qui allez venir vous asseoir pour dire que ces choses. Vous allez venir vous asseoir pour nous dire que vous allez nous faire de la morale. Vous qui avez voulu prendre ce pays-là comme si le pouvoir est une question d'ethnie. Si tu vois que jusqu'à preuve du contraire, Henri Konan Bédié à 92 ans veut toujours être candidat, c'est la réalité pour dire que Henri Konan Bédié vit de haine et c'est ce qui le détruit. Et nous, on remercie Dieu d'avoir donné longue vie à Henri Konan Bédié. Parce qu'il faut qu'Henri Konan Bédié continue de voir ce que le président Ouattara est en train de réaliser dans le pays. Le président Ouattara n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un sorcier. Mais c'est parce qu'il sait comment gérer le bien public. Mais les vrais sorciers là, c'était vous. Parce que vous n'avez même pas été capable. Toi, Henri Konan Bédié, tu as fêté tes 100 milliards. Tu n'as même pas pu construire goudron à ton nom. Tu n'as pas pu faire pont à ton nom. C'est celui qui n'est pas milliardaire là. Celui qui n'a pas fêté les milliards là. C'est lui qui est venu faire pont à ton nom. C'est celui-là qui est venu faire pont à ton nom. Trop, c'est trop. Koyama Bafin, salut à toi. Kassoum Junior Dosso, salut à toi. Adama Kone, salut à toi. Walikoum salam frérot. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez le direct et mettez les cœurs. Donc je pense que trop, c'est trop. Donc ça là, c'était un message pour Damana Picasse. Il faut te calmer, Damana Picasse. Il faut te calmer. Mais ne te presse pas. Micro là, on va te donner micro là pour te dire qu'il faut parler. Damana Picasse, tu vas refuser de parler. C'est moi qui t'ai dit ça. Ne te presse pas. Damana Picasse, un jour, on va te donner le micro. Et puis on va te dire, Damana, il faut parler. Et puis toi, maintenant, tu as dit non, tu ne parles pas. Mais nous, on n'est pas pressé. Mais le moment là, ça arrive. Il ne faut pas te presser. Toi, tu es pressé, nous, on n'est pas pressé. Damana Picasse, un jour, on va prendre le micro pour te donner. Pour dire, Damana, il faut parler. Et puis toi, Damana, tu vas dire non, tu ne parles pas. Adjano, salut, salam alaikum à toi, ma très chère petite soeur, depuis ta position. Mais ce moment là arrive, mais nous, on n'est pas pressé. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Je vous remercie depuis votre position. Restez sereins.
Comme je vous ai dit, aujourd'hui là, je prends mon petit repos sur cette histoire de la ARTCI. Mais je ne suis pas pressé. Ceux qui disent qu'ils ont les preuves, continuez. Mais moi-même, Zulu de Bogota, j'ai les preuves et puis je suis assis dessus. Moi-même, Zulu de Bogota, j'ai les preuves et puis je suis assis dessus. Moi-même, Zulu de Bogota, j'ai les preuves de ceux qui travaillent là-bas. Sinon, ceux qui ont travaillé là-bas, qui ont pris leurs enfants pour les déposer, pour les mettre à des hauts postes de responsabilité. Ceux qui ont pris leurs neveux, sinon leurs nièces, pour les déposer, je les sais. Ceux qui ont pris l'argent de la ARTCI pour aller construire des immeubles dans les Benjerville, dans les Grands Bassam, moi j'ai tout ça. Et puis je suis assis dessus, mais je ne suis pas pressé. Chacun dit là les preuves, mais les Ivoiriens attendent les preuves de tout un chacun. Mais moi-même je suis assis. Ceux qui ont les enfants, ceux qui sont les hauts cadres de la ARTCI, qui ont pris les enfants, leurs neveux, leurs petits frères pour les déposer là-bas, comme si c'est devenu une société de famille, je vous regarde. Mais je ne suis pas pressé. Mais on va régler. On va régler. Quand vous avez appelé votre gars, le Camerounais, Saïd Panda, de se calmer. Moi aussi, je suis calme, mais j'attends. Mais le jour où il va sortir, on va lui demander de faire sortir tout. De toutes les façons, qu'ils se mettent une chose dans la tête. L'État de Côte d'Ivoire est informé de l'histoire. Le ministère de la bonne gouvernance est informé de l'histoire. Donc, ils vont mener les enquêtes qu'il faut. Ils vont mener les enquêtes qu'il faut. Voilà des gens qui sont cachés dans l'ombre pour dire que les gens prendre leurs petits frères, leurs sœurs pour les déposer là. Alors que dans la réalité, c'est eux qui ont rempli cette société de neveux, de frères, de nièces, de cousins, de cousines, de tontons, de tatas. Et puis nous, on est là, on les regarde. Mais vous allez lire l'heure à Ezulu de Bogota. Ouais. Donc, chers frères et sœurs, je vous remercie. C'était votre frère, le Zulu de Bogota, depuis sa position. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Que Dieu bénisse vous et que Dieu vous protège.